Bon, Tottenham, c'est une équipe avec plein d'expérience, surtout dans cette Ligue des Champions. Après, c'est vrai qu'ils ont un nouveau visage, c'est-à-dire que les nouveaux joueurs qui sont arrivés, le nouveau coach qui a plein d'expérience dans la Ligue des Champions. Et voilà, pour moi, ça sera vraiment un match spécial, vu que j'ai fait quand même plein de matchs contre cette équipe. Et avec mon groupe, je pense qu'on a un mot à dire. Voilà. Bon, déjà, le président, il a souligné, pour moi, l'envie de venir ici à l'OM, c'est d'abord l'apport du président qui m'a vraiment sorti des secrets que je m'y attendais pas, parce que voilà, le président, il est un grand ami de mon ancien coach de Villarreal, qui est Marcelino. Et déjà, à son premier appel, déjà, il m'a donné des informations que je m'y attendais pas. Après, c'est vrai que la conversation en ce moment-là a été très facile. Bon, déjà, en tant qu'un défenseur, pour moi, j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Déjà, à mon arrivée ici, c'est d'avoir plus de minutes, que ce soit au milieu ou à droite ou à gauche. Je suis là, je suis prêt pour apporter mon peu d'expérience que j'ai. Pour moi, c'est voilà, c'est la communication avec le coach. Et après, bon, je pense qu'il me mettra où il pense que je pourrais apporter plus. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, finalement, que ce soit stoppeur droit, gauche, pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, déjà dans notre milieu, c'est compliqué de rassurer. Pour moi, le plus important, c'est que voilà, je suis bien physiquement. C'est vrai que dans le passé, j'ai eu des problèmes de bobo, des problèmes de blessures. Mais déjà, ça fait quand même des années en arrière. Donc, je pense que là, c'est d'oublier, de penser à l'avenir. Et là, Eric Bailly est bien physiquement et j'espère que voilà, je serai fit toute la saison. Voilà, on croise les doigts. Pour moi, comme je l'ai dit, ma présence ici, c'est d'apporter le peu d'expérience que j'ai, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis venu ici pour apporter vraiment quelque chose d'important, que ce soit voilà, sur le banc de touche, aux entraînements. Et voilà, pour moi, la communication est très, très importante avec voilà, le coach, le staff et même mes coéquipiers. Et je pense que voilà, j'ai la possibilité de donner quelque chose d'important à cette équipe. Voilà. Dans l'envie d'arriver ici, je ne peux pas dire parce que voilà, au départ, ce n'était pas ça. Mon objectif, c'était de venir ici parce que voilà, j'ai eu l'appel du président, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment une conversation très spéciale. Après, c'est vrai que étant ici, déjà, tu penses aux personnes qui sont passées, comme voilà, des légendes comme Didier, que j'ai eu au téléphone, bien sûr, après ma signature. Et pour moi, il est important de toujours donner le bon visage des joueurs qui y sont passés. Quand je te parle de Didier, je parle de Baki Kone, je pense à Meïté Aboulaye. Et aujourd'hui, c'est Eric Bailly. Donc, ce que je peux faire, c'est de rester dans cette continuité et voilà, donner une bonne image des Ivoiriens ici, à l'OM. Pour moi, étant qualifié pour les phases de finale de la Ligue des Champions, déjà, ça prouve que vraiment, tu as ton mot à dire. Et avec ce nouveau visage de l'OM, je pense qu'on a quelque chose à faire dans cette compétition. Mais déjà, c'est de mieux commencer, c'est-à-dire que pouvoir bien débuter ce mercredi prochain contre Tottenham et après on verra la suite. Voilà. Ouais, non, voilà, on était un peu mouvementé, même si moi honnêtement, dans ma tête, je savais ce que je voulais. Il y a eu des offres à droite, à gauche, mais j'ai pris le risque d'attendre, et les risques, des fois, ça paye. Donc, non, très heureux. Ça n'a pas été un été facile parce que fallait peser le pour et le contre. Mais mon choix, il a été très facile et c'est pour cette raison que je suis très très fier d'être devant vous aujourd'hui. J'ai pris un risque, oui et non, parce que j'avais eu une discussion avec le président avant la fin de saison dernière et il sait que j'ai qu'une parole et moi,
j'ai compris qu'elle en avait qu'une parce que voilà, on s'était dit des choses qui resteront entre moi et lui et ces choses-là ont été respectées. Donc un risque oui ou non. J'ai pris le risque d'attendre l'Olympique de Marseille, mais si j'avais pas signé à Marseille, je serais resté à Schalke. Mais je pense que aujourd'hui le plus important c'est de parler de l'OM parce que je suis ici et il n'y a pas à parler de risque ou d'autre chose. Non, pas du tout. Voilà, je pense qu'on est dans une saison où il y a énormément de matchs avec des matchs à très très haute intensité. On sait que la Ligue des Champions, c'est pas comparable à la Ligue 1 au niveau de l'intensité. Voilà, c'est des grands matchs avec un nouveau style de jeu qui demande énormément d'efforts aussi par rapport à ce que le coach nous demande. Donc voilà, il y aura de la rotation. Après, j'ai confiance en mes qualités, je sais ce que je peux faire. Et je pense que cette saison, ça sera le Amine de la fin de saison dernière, voire un peu mieux. Pas du tout. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'adapter à ce style de jeu-là parce que je suis un joueur, comme je l'ai dit, de transition, qui aime bien les courses vers l'avant, qui aime bien vite attaquer le but adverse. Et c'est ce que le coach demande. Voilà, avec le coach Sampaoli, c'était beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux en possession, de déplacements. Là, le coach, il a vraiment une idée de jeu qui est très directe. Et je pense que mes qualités font que je pense que ça va être pas mal à voir si j'arrive à être bien physiquement. Non, comme je vous ai dit, honnêtement, voilà, le fait de jouer avec ces deux 10 en soutien de l'attaquant, c'est ma meilleure position, je pense, d'être un peu plus dans le cœur du jeu et d'avoir des attaques qui sont très directes avec un jeu très porté vers l'avant, un gros pressing comme j'avais l'habitude de faire en Allemagne parce que c'est un championnat où on presse beaucoup. Donc voilà, pour moi, je me sens comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans ce système-là. L'idée, c'est de jouer et de rester à Manchester et de rester à Marseille ici. Ce n'est pas de retourner à City. Oui, parce que c'est un très, très grand club et ça va m'apporter beaucoup pour mes prochaines étapes. Bon, avant de m'engager, on a un peu discuté et il m'a expliqué comment ça se passe ici. Et ça a compté, mais pas beaucoup. J'aime vraiment ce club. Depuis tout petit, quand Charles venait avec nous, il nous montrait les maillots, les ballons et tout. Donc, quand j'étais petit, je ne connaissais aucun club si ce n'était pas Marseille. Donc, c'était un rêve pour venir ici. Et aujourd'hui, je suis là, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour faire plaisir à tout le monde. À droite, à gauche, je pense que c'est presque la même chose. Et c'est le même poste de latéral droit, c'est le même poste de piston. Je pense que je peux jouer à droite comme à gauche. Quand j'étais petit, on avait un match et il n'y avait pas de latéral droit. Et c'est en ce moment que le coach il m'a dit, tu vas jouer comme latéral droit. Et depuis ce jour, j'ai aimé ce poste et je continue toujours à jouer. Avant, j'étais ailier droite-gauche. Ça vient du fait que depuis tout petit, je connais ce club. Je ne supportais aucun club que Marseille. Même quand on partait jouer dans les jeux vidéo, je jouais toujours avec Marseille, avec Charles Caboret. Et donc, on partait au cyber, on voulait venir ici, on tapait correspondant à Marseille. Et c'est depuis en ce moment que j'ai eu l'amour de ce club qui est toujours dans mon cœur. L'année passée, quand on était venu ici, on était venu avec pas les supporters, on était tous déçus. On voulait jouer avec les supporters, mais malheureusement, il n'y en avait pas. J'ai vraiment hâte de jouer avec les supporters et je suis vraiment excité pour ça. Bon, dans toutes les grandes équipes, il y a la concurrence et je pense que c'est une très bonne chose. Ça va me permettre de progresser, de faire beaucoup plus pour pouvoir avoir des temps de jeu. Et je pense que j'aurai des temps de jeu.